c'est bas. Posé sur le bord de la berge comme une barque en bois qui se noie, je me rappelle qu'elle me faisait du bien. Alors, ce soir, le monde pourra m'attendre car je resterai certainement là. Simplement, je me souviens. Thank you.
c'est vrai ça. On pleure, on rit, on s'aime. On la connaît bien la chanson. Octobre 2019, je sors La Vie d'Artiste, on sort ce disque, et écoute, il y a eu un super accueil, ça a déroulé, moi j'étais pressé de reprendre la route, tu vois, de repartir avec tous mes potes musiciens, d'aller retrouver le public. On démarre les répètes, on part pour, 60 concerts. On s'en doutait un petit peu, on entendait parler tous les jours du Covid. Et les cinquièmes concerts, on est à Nantes, au Zénith de Nantes. En sortant de scène, je me suis retrouvé dans ma loge avec les infos sur mon téléphone, des textos, ça y est, c'est terminé. Donc voilà, confinement. Je suis rentré à la maison, c'était le 8 mars. Et je commence à tourner en rond. Les 10 premiers jours, je t'avoue, j'ai commencé à tourner en rond. Parce que voilà, j'étais en pleine tournée, j'étais dans cette énergie-là de jouer. Et puis c'est là où je me sens vivant, moi. Quand je suis sur scène et que je partage ma musique avec les gens. Et là, j'étais à la maison, c'est tellement la punition pour un artiste de pas se sentir utile, de pas pouvoir jouer, de pas pouvoir exister. Que j'ai anticipé cette session en fait d'enregistrement. J'ai appelé la maison de disques, je leur ai dit écoutez, dès qu'on n'est plus confiné, j'aimerais rentrer en studio. Donc on réserve la fabrique à Saint-Rémy-de-Provence et on a enregistré 14 titres qui donnent ma vie d'artiste un plug. Ça, c'est un morceau qui est né pendant le confinement. C'est l'inédit de la réédition que nous avons fait. L'ours. Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un taulard à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nom, j'en perds l'article. J'entends des voix venues d'Afrique. Aujourd'hui, je donne pas cher de ma peau à la bourse.
je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure. C'est plus le grand froid chez moi, y'a plus d'hiver. Et elle s'enlève pas, moi, ma polaire. Un jour, les seuls ours blancs seront les peluches de vos enfants.
Merci. J'aimerais vous présenter ma grande sœur. Ça fait 15 ans qu'elle me donne des conseils et qu'elle est là et que je l'aime. Julia Sarr, s'il vous plaît. Julia Sarr. C'est elle qui a galéré pour m'apprendre à phraser le Wolof, là. C'est pas facile, cette histoire. Et mon autre sœur, je vous présente, messieurs, dames, Oliza. Grave. On a joué ensemble il y a 10 ans. Oh, 10 ans? On aurait dit une mamie, elle marche comme ça et tout. Regarde, du coup, la rue, elle est là. Ma vie d'artiste unplugged, c'est mes plus belles rencontres artistiques réunies. À la fabrique pendant 3 semaines où je fais que de la musique. Et avoir ce privilège de pouvoir faire que de la musique. Quand je dis ça, c'est parce qu'on est dans un endroit magnifique. Dans le sud, je suis à côté de la maison où j'ai ma petite famille qui passe me voir. Et puis là-bas, on prend soin de nous, quoi. T'as des gens qui sont là pour nous faire à manger, on manque de rien et on a du matériel. Enfin voilà, c'est un magasin de jouets pour les enfants, tu vois. Mais là, pour les adultes, quoi. Et puis on ne pense qu'à ça, quoi. Le seul souci, c'est de bien faire la musique et d'être en immersion. Avec mes musiciens, c'est un luxe. Tu vois, comment on l'arrête un petit peu, on repart, mais... Ouais. On écoute. Ou sinon, de faire... ouais, faut l'écouter. C'est cette note-là qui est un peu chelou. Yeah. Ah, voilà. Quand il enlève la veste comme ça, ce qu'il a, là, il va nous donner les plus belles notes. Ses plus belles notes. On verra bien. Tu me blesses quand je suis comme ça. Je te le dis, ça fait très mal. Là. Comme je disais, c'est pour moi en tous les cas, c'est vital d'être entouré de ces gens-là, de gens que j'aime profondément et qui sont ma deuxième famille, quoi. C'est pas des musiciens qu'on m'impose, ce sont que des proches, des gens avec qui j'ai lié des. Il y a l'amitié qui est là et le respect mutuel aussi. Et donc voilà, on est que dans le plaisir, quoi. Et là, on est en famille, là, man. Non, c'est pas ça. C'est que là, je viens de faire un truc, je viens de mettre ça, là. Ça, on appelle ça un capodastre. Et je l'ai mis troisième case, mais moi, je l'ai mis un peu où je le sens. Et là, il a regardé, j'ai senti dans son œil que c'était pas la bonne case. Messieurs, dames, je vous présente certainement l'une de mes plus belles rencontres artistiques de ces dernières années. Il arrive tout droit du Togo, monsieur Amen Viana. Je suis l'un de leurs terres.
J'y vais pour toi, mon amour. Pour maman et pour mes frères. Là-bas, c'est une terre d'accueil. Je serai bientôt sur le seuil. Oh, là-bas, c'est l'Europe. Mais sur cette mer d'écueil, sous cette lune en deuil, on est comme on est comme. Dis à mes aïeux et dis à maman que ce sera merveilleux à Lampedusa.
Tu verras, mon enfant, comme le temps trace, comme le temps passe vite. Tu verras, mon enfant, en attendant, profite. Et dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie, 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 jolie. Et tu verras, mon enfant, comme les amours fanent et les amis passent vite. Tu verras, mon enfant, les épines qui abîment. Mais dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie, jolie, jolie. Jolie comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. Comme un bouquet de pleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des peurs. Des peurs. Et tu verras, mon enfant, la gloire fait des amis, la défaite en fait le tri. Et tu verras, mon enfant, ceux qui gagnent à la fin sont pas seulement les gentils. Et là tu diras souvent que tout n'est pas joli, 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 joli. Et tu verras, mon enfant, tout ce que l'école ne t'apprend pas. Et tu verras, mon enfant, l'important c'est d'être
toi et souviens-toi souvent. Comme tu es jolie, jolie, jolie. Jolie comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. Comme un bouquet de pleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des peurs, des peurs. Jolie comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. Comme un bouquet de pleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des peurs, des peurs. Et tu verras, mon enfant, c'est pas la fête chaque jour, mais chaque jour se fête. Tu verras, mon enfant, des soirs de victoire et des matins de défaite. Mais répète-toi souvent que la vie est jolie, jolie, jolie. Et tu verras, mon enfant, il restera pas grand-chose, quelques fous rires, quelques instants de ce bouquet de roses. Alors va et souris, mon enfant, car tu es si jolie, jolie, jolie. Jolie comme un bouquet de roses qui dépose à mes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. Comme un bouquet de pleurs qui dépose dans mon cœur des tristesses et des peurs. Monsieur Stéphane, filez. Comme un bouquet de roses qui dépose à mes pieds
l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. Joli comme un bouquet de pleurs qui dépose dans mon cœur des tristesses et des peurs. À la trompette, monsieur. À la trompette, monsieur Renaud Jansan. Il arrive tout droit de Madagascar. Renaud, ça fait quelques années aussi que j'ai la chance de l'avoir à mes côtés. Que du bonheur, merci. Merci d'être là, Renaud. Et à la voix, lui, j'ai toujours du mal à... Lui, dans les concerts, normalement, d'habitude, je le fais intervenir, mais sur la fin des concerts. Parce que passer derrière lui, c'est pas évident du tout. Monsieur Stéphane Filet. Ça peut être mortel. L'acoustique est bien. Ouais, c'est ça qui est mortel. C'est ça qui me plaît aussi. C'est que là, on va pouvoir jouer pas fort, sans micro, sans rien quoi. Ouais, il y a une réverb naturelle là, elle est magique cette pièce. C'était pas prévu hein, de jouer, de faire un live, mais c'est vrai que c'est l'opportunité quoi. Et tu sais, il y a une pièce qui est. C'est un ancien moulin en fait. Et cette pièce, elle a une réverb naturelle qui est, voilà, qui est terrible. Et donc, il m'est venu l'idée de faire un unplug voilà, pour fêter la fin de la session de studio et d'inviter 40-50 personnes. Quoi. Donc, voilà, on s'est retrouvés à jouer les morceaux qu'on avait enregistrés pendant 15 jours, 3 semaines. Quoi. Ouais, regarde, on est comme ça. Et tu sais quoi, il en faut des 4. On en met 2 à gauche, 2 à droite. J'en ai que 2, mais comme ça j'ai que 2, mais je peux peut-être en avoir 2. Au moins ça nous permet d'utiliser. C'est super. On a tous vu les unplugs de Lauryn Hill, de Nirvana. Et moi j'ai toujours, en tous les cas, moi j'adore ça. Ce côté hyper intimiste, cosy. Et plus ça va, et je crois qu'on tend vers ça en tous les cas. Moi j'ai envie de ça. J'ai envie de me retrouver, d'être vraiment avec les gens, de partager vraiment, quoi. Quoi qu'on fasse ou qu'on aille, le chemin du percaille nous rappelle toujours. Quoi qu'on dise ou qu'on aille, dans les airs ou les rails, on reviendra toujours. Et moi je reviens, ma douce, vers cet endroit où pousse les fleurs d'immortels à la couleur du ciel. Sur ma joue la main de Marcel doucement me rappelle qu'on n'est jamais si bien qu'à l'endroit d'où l'on vient. Et ça c'est mon pays, ma mélodie. Chemin du bercail, je le connais comme ma poche. Et quoi qu'on fasse ou qu'on dise, on a dans nos valises
sourire de nos proches. Et moi je reviens ma rose vers l'endroit où se pose l'amour à Noël, à la couleur du ciel. Et la voix de ma mère doucement me rappelle qu'on n'est jamais si bien qu'à l'endroit d'où l'on vient. Ça c'est mon pays. Pélo, il arrive tout droit de Cuba, lui. Lui, j'ai envie de le crever des fois. Lui. Tellement qu'il est beau. Lui, il est magnifique, parce que lui, je l'ai rencontré sur une plage en Corse et il chantait il est où le bonheur en espagnol. Oh, j'ai entendu sa voix. Je l'ai ramené direct à la maison. Il vit à la maison. Tu sais, j'ai revisité ces chansons-là qui sont pas forcément... Il n'y a pas que des singles. C'est des titres qui me tiennent à cœur et c'est des chansons que les gens qui m'apprécient veulent entendre quand je suis en concert. Moi, je prends la ligne. Et la félicidad, donde está? Donde está? Et la félicidad, donde está? Pour moi, la musique, elle doit me faire voyager et d'avoir, voilà, dans les couleurs... Ce côté solaire, quoi. Y la felicidad, ¿dónde está? Y le Lucien, alors. ¿Dónde está? Le Lucien. Y le premier para va. Okay. ¿Por qué te vas, mamita linda? ¿Por qué te vas? Ok, ¿por te vas? Mamita linda, ¿por qué te vas? Tu finis, te vas. C'est ça, oui, finis, allez. C'est magique parce que il chante dans sa langue et d'un coup, t'es chez lui, quoi. Il t'emmène chez lui. Cobuzz.
Cobuzz, streaming et téléchargement haute résolution, à partir de 14,99€ par mois. La felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? La felicidad está ahí, y la felicidad está ahí. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote, quand personne sans les ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là le bonheur, il est là, ouais. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fourrures, ouais. Ah, je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Ouais. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Rie pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, ouais, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, tu sais. Car c'est souvent qu'on sait qu'il était là. La 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 la
felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la felicidad está ahí, está ahí. Y la felicidad está ahí, está ahí. Là, c'est vrai que cet album-là, on l'a fait Ma vie d'artiste unplug, on a vraiment joué live. Tu vois, tous ensemble, 3-4. Donc, on n'avait pas trop droit à l'erreur, parce qu'il n'y avait pas trop de re-re. Mais c'est vrai que quand tu as la chance de rencontrer et de côtoyer, d'être entouré de musiciens qui ont vraiment bossé la musique, ils te ramènent, ils te simplifient la vie quand même. Ça, sur les deux, il faut qu'on. Il existe déjà un peu de guitare. Prends les guitares. Non, mais par contre, il n'y a pas d'arrangement de voix, tu vois. Non. Et là, le fait de donner une empreinte. Est-ce que le piano là-bas, il est accordé? Tu as eu cette discussion avec Daniel? Et donc, quand je dis ça, c'est pour parler de Johan Dalgaard, qui pour moi est un virtuose. Voilà, et puis c'est un mec, il joue jazz, il joue blues. Quand je lui parle d'un pianiste que j'aime écouter et que j'adore, un mec qui s'appelle Monty Alexander, et que je lui dis, ouais, sur les gens par exemple, j'aimerais que tu joues comme ça, un peu dans à la Monty Alexander. Et quand il pose ses doigts sur le piano, voilà, j'ai l'impression que c'est lui qui joue, quoi. Il y a Alain Host. Lui, tu sais quoi, il est trop parfait. T'as envie de le taper tellement. Il est trop parfait. Discipliné. Il a une telle rigueur, lui. Il est incroyable. C'est un exemple. Mais pour tout le monde, dans le bus, c'est tout. Quand on est en tournée, à 6h du matin, il est debout. Il va faire son footing. Je te jure. À 8h, nous, on se lève, on émerge, on est au petit déjeuner. Et lui, il nous regarde, il fait, oh, les gars, je monte.
et il bosse ses gammes, il bosse son saxo, sa flûte traversière, il est violoncelliste aussi. Et c'est un New-Yorkais avec toute, voilà, avec la culture des comédies musicales, tu vois, le mec il chante, il danse, il fait des claquettes, multi-instrumentiste, il est énervant, je te jure il est énervant. Et Alain. Yeah. Merci. Good job. Magnifique. Ouais. Faut juste dire ce que tu veux. Et puis il y a Renaud Janssen, trompettiste de jazz, qui était avec moi sur la tournée New Orleans. Et pareil, lui, c'est un phénomène. Il arrive, j'y écoute, là, il y a tant de mesures. Chorus, donne-moi tes plus belles notes. Et puis, chaque fois qu'on entend la trompette, c'est en une prise. Il est derrière le micro, il fait une prise, le mec, et il me donne ses plus belles notes, quoi. C'est magnifique. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime, passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime, simplement. Là, essaie de trouver les trous parce que là tu les as pas bien. Tu sais, ça fait. J'ai pas su trouver les mots pour te parler, je sais. Je pense être assez grand. Alors aujourd'hui j'essaie. Ta-da-da. Au moins, tu sais, tous ces trous là, tu peux les remplir. Ok, ouais, non, tu sais. Là, des fois, il a certaines idées, donc il me dit des choses. Et puis moi, du coup, je joue ce qu'il entend et tout. Et puis par moments, c'est vraiment, il me laisse. La plage qui est bien avec Christophe, c'est justement ça, c'est qu'on a de l'espace. Et qui me laisse vraiment improviser des fois. Non, ça c'est génial, du coup. On repart là ? Bien, Renaud. Je pense que c'est vraiment plaisant. Il est bien le scud là. Bah ouais. Faut que je fasse un autre, c'est bon. Fleur de buffle. Enfin, pire, le vendredi, c'est un amour. C'est une chance de rencontrer des gens comme ça. Et moi, ce qui me plaît aussi dans ce métier-là, c'est que ça t'amène toujours à faire des rencontres. Et des fois, des moins bonnes que d'autres. Mais les belles, en tous les cas, elles sont là à mes côtés. Quand je la regarde faire, j'ai des larmes aux yeux. Mais ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu. Ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu. Pour ne jamais voir l'enfer dans le verre de mes yeux. Alors je danse vers des jours heureux. Alors je danse vers. Et je m'avance vers des jours heureux. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Quand je regarde mon père et ses yeux amoureux, elle sera sûrement la dernière dans ses bras, lui dira adieu, adieu. Elle a mal sans en avoir l'air, pour que tout d'elle ceux qui la regardent faire, ferme les yeux, pour qu'autour d'elle ceux qui la regardent faire, n'y voient que du feu. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime, parce que...
être assez grand. Alors aujourd'hui j'essaie. Tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime en effet. Tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime pour de vrai. 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 On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je me vois. Qu'on n'y touche pas, non. C'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix. Qu'on n'y touche pas. Alimente nos peurs, qu'en détournant nos regards. De nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait tous à se prendre la main, à se voir. Autrement que des inconnus qui ne font rien que des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. Mes frères autour de moi, mes repères et ma soeur.
toi. Aïe, 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 aïe. Non, c'est mes frères autour de moi. Aïe, 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 aïe. Il dit rien derrière, mais il part au quart de tour. Il y en a qu'un que je n'ai pas présenté encore. C'est celui qui m'a appris à tenir ma guitare il y a 25 ans. J'ai débarqué sur la côte. Bon, vous avez dû l'entendre 2000 fois, celle-là, mais je ne peux pas m'empêcher de la raconter à nouveau parce que. Tu la connais? Ben, raconte-la toi alors. Raconte-la toi. Voilà. Bon, bref, il y a 25 ans, il m'apprenait à tenir ma guitare sur la côte, à Saint-Tropez. Il m'a récupéré. Moi, je faisais la manche, je passais entre les tables, les gens ne me calculaient pas. Et lui, il me tape sur l'épaule, il me dit, viens, je veux que tu joues avec moi. Demain, j'ai un plan à Tahiti Plage, on se fait un essai. Et si ça match, on trace un bout de chemin ensemble. Et ça fait 25 ans qu'on ne se quitte plus. Monsieur Albert Marolani. De nos amours.
comme une envie d'aller sans retour. Avec toi, mon amour. Tu amènes Viana à la guitare. Le Togo. Monsieur Piro Barrios. From Cuba. Alberto Marolani. C'est les Antilles. C'est la Martinique.
Vous l'avez entendu, il a fait ça. C'est la Martinique. Stéphane Filet. Lui, il a précisé. Martinique, Guadeloupe. Stéphane Filet. Tout droit de la Côte d'Ivoire, Olisa. Là, c'est le Sénégal. Le Sénégal, Julia Sarr. Il est de New York, monsieur Allen Host. Renaud Janssen, lui, il vit dans le sud de la France. Il a tout compris. Mais il arrive de Madagascar. Et monsieur Johan Dalgarde, lui qui est danois. Et moi, je suis le chanteur du groupe. Je suis du Vaucluse. De Carpentras, exactement. Et on rigole, mais au-delà de tout ça, moi, ce qui me touche le plus, déjà, j'ai envie de vous dire merci d'être venu, passer ce moment-là avec nous. Mais au-delà de tout ça, moi, d'être accompagné de ces gens-là, pour moi, c'est limite un acte politique. Voilà. D'avoir cette richesse culturelle. Et donc, j'ai envie de vous dire encore une fois merci. Merci du fond du cœur pour cette. La diversité. Allez, merci. Et donc voilà, on a fait ce concert, cet unplug, avec que des potes qui étaient là, ou des amis des musiciens, tu vois. Il y avait très peu de monde parce qu'on ne pouvait pas non plus se rassembler trop. Et là, je t'avoue, on est au mois de septembre. Cet album-là sort au mois d'octobre, fin octobre, le 30. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on va pouvoir reprendre la route. Et on attend patiemment. Mais c'est vrai que, ouais, je crois que c'est vital qu'on reprenne tous la route, quoi. Je parle pour moi, mais je parle pour l'industrie musicale, pour les intermittents de spectacle, pour tous les gens qui m'accompagnent. Nous, quand on part sur la route, il y a 50, 60 personnes. Il y a des chauffeurs de bus, il y a 5, 6 semi-remorques. Il y a les techniciens, il y a le catering, les gens qui nous font à manger, tu vois, les cuistots. Enfin voilà, c'est tout un staff, quoi. Et tous ces gens ne travaillent pas, quoi. Bon, quand je te dis ça, je suis pas opportuniste et je pense pas qu'à moi de reprendre la route. C'est surtout à tous ces gens qui nous entourent et l'industrie musicale, quoi. Je t'avoue, il y a quelques mois, j'étais pas très chaud à dire « Ouais, je reprends la route devant une salle masquée. Si on a le choix, je préfère attendre encore un peu, même que les gens retrouvent vraiment cette fraîcheur, la soif de sortir et tu vois, avec la liberté de pouvoir danser et se lever comme on entend, quoi. Mais là, aujourd'hui, ouais, ça s'annonce plus compliqué, quoi. Donc, au moins qu'on puisse reprendre la route, faire des concerts.
Et puis si les gens sont masqués, ben écoute, ça sera pas très grave quoi finalement. Mais je pense que ça peut donner un élan, voilà, un côté voilà, positif quoi. Ça y est, on reprend. Et je crois que, bon je dis ça, mais je pense que ça va... On va y retourner dans les semaines qui suivent. Aujourd'hui, il n'y a rien de sûr, mais on va rester positif en tous les cas.